Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes, j'espère que vous allez tous très bien les gars, je vous souhaite une excellente semaine à tous, grosse force à vous dans vos projets perso, j'espère que tout se soldera du mieux qu'il peut. En tout cas aujourd'hui on va aller showcase Beerus dans une team cheat code en fait tout simplement, donc on va en parler. Déjà merci à vous des retours de la vidéo de Migaté, ça fait grave plaisir. Ça me permet de... franchement c'est très cool parce que je fais des miniatures un petit peu différentes et les vidéos fonctionnent aussi bien voire mieux. Donc franchement je vous remercie les gars, merci de votre soutien et merci également des espaces commentaires qui sont toujours extrêmement agréables à lire. Et ça, ça fait encore plus plaisir. Donc merci à vous les frérots. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rejoindre la chaîne. Alors tout simplement donc Beerus toujours 13 étoiles, toujours Zenkai 6, toujours monté dans l'arbre, ça n'a pas bougé par rapport à hier, c'était juste quand même pour le rappeler. Alors ce qui va se passer les gars, ici c'est qu'on va jouer cette team là. Alors, on va faire Whis, Lunch, Beerus, du coup Whis, Switch sur Lunch, vert de Lunch, et on retourne sur Beerus tout simplement. Donc double switch de Whis, et pourquoi double switch c'est fort? Ça c'est pas facile à dire tous ces mots là. Pourquoi c'est fort? Tout simplement parce que le perso... lorsqu'il pivote, il donne 25% de dégâts infligés au Beerus, au classe divin, 20% au Beerus en plus, donc 45% de dégâts au Beerus, 20% de Tocrit et des dégâts ultimes. Ce qui fait que tout ça là, et ben vous le faites x2. Ça fait 50% de dégâts plus 40% de dégâts, ça fait 95% de dégâts. 95% de dégâts, 40% au crit et 60% de dégâts d'ulti. Donc à peu près 155. Comment j'ai compté là? Non, 90. Pourquoi j'ai compté 95? Non, ça fait 90. Bref, en tout cas, ça va coûter à peu près 150% de dégâts d'ulti. Enfin bref, c'est des trucs comme ça qui me paraissent complètement fous hein, pour Beerus. Donc vous allez voir, le perso il va mettre des tares de l'espace. Et en plus, vous rajoutez les 30% de la verte de lunch. Donc là, on part dans des délires à... 130. Tu donnes limite 130% de dégâts à Beerus. Vous allez voir, en plus, ça, on lui a mis que des caps Z full offensive. Ça va être assez n'importe quoi. En termes de dégâts, je pense qu'on va voir des ultis absolument dévastateurs. Et puis, on va voir des Akai, tout simplement. Donc, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo te plaît. Je te le dis, je le redis, les cheat codes généalogie maléfique ne fonctionnent pas tant qu'on a uniquement des boosts de taux critiques. Je fais ça sur Beerus uniquement parce que les dégâts pour Beerus sont énormes. C'est pas juste le pivot de Goku SSJ4 à 20%. Là, on a déjà au moins 50% de base, plus du taux crit, plus de dégâts d'ulti, plus d'arrêt de ki. Bref, c'est vraiment très fort. Il y a peu de pivots aussi forts dans le jeu que celui de Whis. Pour cette première gamme, le match-up, il est très 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 bon parce qu'il n'y a pas de violet en face. Vous allez voir ce petit code, franchement, il n'est pas si compliqué avec Whis qui apporte des vertes. C'est ça qui est fort. C'est que Whis apporte des vertes, donc c'est très facile de faire les vertes avec Lunch. Et puis c'est parti. Je vous dis d'avance les gars, c'est moins fort que SSJ, c'est moins fort que tout ça. Là, voilà. Ça genre, c'est vraiment fort. Ça, c'est juste trop fort. On va être couvert ici. Wouah. Ce qui cale. Ok. Ok, l'aspect. Oh là là. Bon bah regardez le passage de Beerus. J'aime bien. J'aime bien le petit passage de Beerus qui a été fort intéressant. Maintenant là on peut mettre Whis. Il va mettre Vados. Peut-être qu'il va mettre Jiren mais... Oh il va pas l'avoir dispo vraiment. Si déjà. J'espère qu'on est pas mort là. Dégâts de Jiren quand même. Hein. Les dégâts de Jiren. Que je suis tempo là. Bon on va aller chercher l'ulti de Beerus hein. Tout simplement là on va pas se prendre la tête. Hop. Parce que vu les dégâts qui calent, autant aller chercher l'ulti ici. Je pense qu'il tue Vados hein. Donc bon bah oh, non. Là non il se rend pas compte hein. Mais vous allez voir là, il y a trop de boost sur l'ulti là. Non mais là vas-y c'est full chat. 26 000 HP quoi. Genre on le laisse à 26 000 HP. C'est ce qu'on appelle ne pas avoir de chance.
Bon là je suis obligé de switcher en vérité. Je suis obligé de switcher. Après là les boosts ils durent 20 secondes donc on peut un peu plus en profiter quand même de Whis. Mais j'ai vraiment pas de bol quand même là. Qui a Rising Rush là? Et ça nous arrange pas ici. Ça nous arrange pas du tout là. Bon. Bon, on va perdre cette game. Tout simplement. Bon, ma première game perdue, les gars. Bah, très très bon dégâts en vrai du virus. Mais juste, bah, on a perdu la game, hein, tout simplement. Hein. Merci Einstein. Bon. Bah, tant pis. Tout ça à cause de Vados, hein, plus ou moins. Et la game de Kekulifla qui est assez vénère aussi. Mais ouais, je suis dégoûté parce qu'on le laisse à 20 000 HP. J'étais persuadé de tuer. En tout cas, pas de ouf, mais quand même, je tuais. Et en fait, bah, ça le laisse à 20 000 HP. Je crois qu'il a pas encore une Vados. Pas bon. Voilà. Bon, j'ai déjà lu, on passe une autre game. C'est parti, c'est ce genre de match-up qu'on recherche là avec le seul violet de la team. C'est Migaté, enfin l'autre, je pense pas qu'il le joue. Donc là on est très bien, on est très très bien. Est-ce qu'il va penser au fait aussi que j'ai Vegeta Evo dans la team quand même? Donc c'est parti, ça peut être, là ça peut être vraiment vénère. Mais bon, il a quand même pris Migaté, hein. Il a quand même pris Migaté. Double OPC dans la team. Ça m'arrange pas du tout ça. Ça m'arrange pas du tout pour l'instant en vrai. Parce que là, les boosts ils vont s'en aller. Hein. Ouais. Trop fort. Trop fort ce que vient de faire Goku Blue ici. Beaucoup trop fort. Malheur. Ok. On va se concentrer. Ah là là. Pour l'instant, regarde, on n'a pas pu mettre Beerus une seule fois. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à placer T-Code et pourtant j'ai 3 vertes en main, s'il vous plaît, messieurs dames. Et ça sert à rien en vrai d'avoir 3 vertes en main. En vrai, enfin, je m'en sais pas parce que ça sert pas à grand chose. Stop. J'ai pas envie de redonner une full main à Migaté, mais. Ok, let's go. Ok. Ça peut être sympa hein, sur Goku. Ok, il laisse pas Goku Blue. Je pensais qu'il allait laisser Goku Blue, c'est pas le cas. Là, on lui détruit ses cartes. Donc ça, c'est fort. Ça, par contre, c'est énervé de ouf. Hein. Oh le même les. Oh là là là. Bon ouais, c'est exactement ça que je voulais vous montrer les gars. C'est exactement ça. Regardez les dégâts qu'a pris Goku Blue. Goku Blue s'est fait deux Kikoa tout simplement. Et même Whis il fait trop mal en fait. Mais non, revoilà PVP God. Revoilà PVP God pour ceux qui ont la ref. C'est incroyable. Go. Bon pas de verre en main, ça c'est un peu relou en vrai. En vrai on rigole mais j'ai deux verres dans le deck et j'en ai pas une dans la main. En 5 cartes. Ça fait mal par contre. La RNG qui fait très très mal. Parce que je peux pas switcher en fait. Stop. Parculé là. Beerus. Ok. On met Beerus directement ici. Problème c'est qu'il y a son SCJ3 qui sera en cover. Donc bon bah. Okay. Ça va être fort mais le SH3 va vite arriver. Donc on va vite re-switcher sur Whis tout simplement hein, pour profiter de la vitesse de pioche. Et même du soin parce que bon, relativement on a pris très cher quand même. Il fait des bons dégâts Whis hein. Ok, ah il m'a détruit ma verte. Non mais... Quelle probabilité pour que ça arrive, s'il vous plaît? Notez-moi la probabilité, on doit être à 2% de chance. Un truc comme ça. Ah, c'est terrible. Pas de bol. Vraiment pas de bol, là, quand même. Hein. Ça peut être une verte, en vrai. Hein.
Là, je contre. En vrai, c'est bien de contrer. C'est bien. Mais j'ai pas de verte. C'est ça qui m'embête en fait. J'aurais une verte, ça serait trop bien. Ok. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de taper hein, pour l'instant. On va remettre Whis. Oh, Whis. Ça c'était juste pour Rising Rush son SSJ3 les gars. Et ça c'est bien joué par là. Ça c'est quand même bien joué, au moins on a plus le Rising Rush. Donc ça ça fait plaisir. Faudrait juste pas se faire contrer. Ok. On se fait pas contrer. Il faut qu'on ait une verte. Il faut qu'on ait une verte, on a pas trop le choix là hein. Parce que si on a pas de verte, on est dans la sauce, on peut pas switch. Ah mais je peux pas. Ah ouais mais je peux pas. Donc là c'est compliqué d'avoir une verte du coup. Je t'aime pas. On va lock son main là je pense quand même, je sais pas si on le lock encore. Je pense que oui parce qu'on n'est pas rentré 36 fois en scène et c'est fort à ce moment là de la game. Mais là il est tout nul Virus hein. Il est tout nul Virus là. On gagne plus de ki en plus. C'est fort parce qu'à chaque fois il nous enlève le ki avec son Vegeta. Ok. C'est extrêmement tendu là. Là c'est quand même extrêmement tendu cette game face à PvP God. On est dans sa tête, on est dans sa tête. Là, on a complètement le ki pour aller main. C'est comme ça, si jamais il tackle, on est bien. Voilà. Et là, maintenant, on va remettre les choses à plat parce que là, on le remet à... il est juste... Oh! Mais il a... Enfin, de mémoire, les gars, j'ai pas l'entêtement avec Virus. Bon, j'ai peut-être l'entêtement, je m'en rends pas compte. Et la victoire face à PvP God, let's go. Bon, on s'est vite retrouvé sans Whis, malheureusement. Donc là, ça a été compliqué, ça a pas vraiment cheat code. On a un bon match-up, mais bon, faut taper au moment, tout ça. Vous allez voir, c'est quand même très compliqué, quand même. Hein. On voit quand même que quand ça passe, c'est fort, mais c'est quand même moins fort que le cheat code de base. Mille fois moins fort, hein, tout simplement. Parce que c'est fort avec Virus, mais avec Virus, quand même déjà un très très bon perso. Alors que face à une SSJ, bah t'as des persos qui sont quand même moins forts d'habitude, qui viennent très forts et les boosts de critique, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est autre chose. Faudrait limite 500% de boost quasiment pour faire pareil, donc c'est compliqué. Bon, il a pas pris de bleu et en vrai, il a complètement raison. Nous, on a pas de verte en main, ça c'est chiant. Bon, au moins on a le premier combo, ça c'est très très bien par contre. Ça c'est genre vraiment bien parce que là, ici, même si on a pas de verte, on va mettre launch, double Kikoa. Et là il va avoir qu'une envie, c'est d'attaquer je pense. Pas terrible de détruire Dragon Ball maintenant. Bon bah c'est toujours pareil en fait. Hein. Oh! L'erreur alors. L'erreur ici. Allez, c'est gratuit, au moins c'est placé sur son Broly, on va détruire les cartes. Et je pense mettre des très très bons dégâts quand même, donc au moins c'est placé, voilà. C'était le but. Waouh. Tout de même. Un peu trop de verte là. Qu'est-ce qu'il fait frérot là? C'est bien joué. Ok, donc là on a plus une seule verte. Ce qu'on va faire c'est qu'on va Rising Rush avec Whis, je pense. On va Rising Rush avec Whis pour gagner cette game. Enfin en tout cas se mettre bien pour gagner cette game. Parce que c'est pas vrai, on va pas gagner cette game en faisant ça. Et là je pense qu'on va se laisser attraper. Ou alors une verte qui est pique en première. Et là on switch directement sur lunch. Mais parce que si je switch sur lunch, j'ai pas de verte en fait, tout simplement. On a utilisé pas mal de verte pour refaire nos cartes. Mais c'était surtout pour farmer le Rising Rush aussi. Ok. Non, pourquoi je fais ça? Mauvaise idée de charger son ki si j'ai pas le TP.
En vrai, j'aurais dû le voir venir ça. En vrai, de vrai, j'aurais dû le voir venir parce que depuis tout à l'heure, il fait un seul pas de côté. Et là, je me fais avoir. Mais bref, je pense quand même qu'on a tout pour gagner cette game. Il a quasiment utilisé toutes ses ressources. Donc franchement, là, ça s'est très très bien passé quand Virus il est arrivé. Ça a fait très mal. Mais je vous le rappelle, les gars, encore une fois, c'est pour tous les gens aussi qui me demandaient, fais un cheat code avec Goku SSJ4 en pivot, machin. Non, bah non. Vous voyez bien, les gars, ça ne fait absolument pas la même chose. Ça ne fait pas la même chose, c'est moins fort. En fait, voilà, faut se rendre compte que le cheat code de Badax, c'est le cheat code de Badax. Si tout le monde ne fait pas avec un autre perso, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. Et là, voilà, on n'a plus de pivot dans la team, donc là, forcément. C'est pas du tout la même chose ici. Mais bon, on a quand même de quoi la gagner, je pense. Si je la perds, ce serait pas beau. Ah le pauvre. Bah ce qu'on va faire c'est qu'on va... Oh my bad. Bien joué la tempo ici par contre. Oh énervé. Énervé attention les gars hein, parce qu'en vrai on sait jamais hein. Il me tue lunch et tout. La game elle va durer longtemps là si ça continue hein. Destruction des cartes. On a plus de vertes. Bon là par contre 650 000 c'est pas mal hein. Ok parfait. Bon bah la gagne cette game les gars. C'était quand même tendu. Bon bah vous le voyez les gars. Le cheat code, ce n'est évidemment moins, c'est évidemment moins bien avec Virus, mais il y a quand même moyen de caler des énormes dingueries. Vous l'avez vu face à la team divin, c'est quand même énorme hein, ce qu'il a mis sur la team divin, je sais pas si vous vous en rendez compte. Enfin, vous l'avez sans doute vu, donc il n'y a pas de souci, mais voilà. Faut quand même se rendre compte que c'est beaucoup moins fort que Badax, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, et on se dit à très vite. Ciao.